ces énormes grottes. J'étais sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd comme une rosée de plomb. Et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Bonjour mes chers amis genevois et assimilés. J'ai vérifié avant de lancer cet enregistrement. Cela fait 23 ans que vous me faites l'amitié de venir m'entendre comme conférencier aux Amis de l'Opéra. Vous voyez qu'on n'est pas loin du quart de siècle. Mais j'étais loin de me douter qu'un jour, une crise sanitaire m'obligerait à m'adresser à vous virtuellement. C'est évidemment très frustrant, car ceux qui me connaissent savent combien j'aime établir un lien presque physique de complicité avec le public, dans la salle, me réserver une marge d'improvisation en fonction des réactions des auditeurs, le tout sans lire un texte. Rien de tel aujourd'hui, mais Sandro Cometta a malgré tout réussi à me convaincre de brancher mon enregistreur pour partager avec vous quelques considérations susceptibles de vous donner des clés pour mieux pénétrer l'univers de Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Péléas, il faut dire, est un des opéras les plus singuliers, fascinants, révolutionnaires même de l'histoire du genre. Ce n'est pas une œuvre qui se livre facilement dès la première écoute, et pour ceux d'entre vous qui auraient encore un peu de mal à s'y faire, je tiens à être d'emblée rassurant. Aujourd'hui, c'est clairement un des 10 opéras qui compte le plus pour moi, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et je suis passé par des phases d'approche d'abord très réticentes. Qu'est-ce qui a fait que, assez tôt, les auditeurs, qu'ils aient été admiratifs ou réfractaires, ont eu conscience que cet ouvrage, créé à l'Opéra Comique le 30 avril 1902, faisait partie de ceux dont on peut dire qu'il y a un avant et un après. D'abord, peut-être, l'écriture vocale. Elle est révolutionnaire par la prosodie qui s'éloigne des canons du bel canto pour se rapprocher le plus possible du débit de la voix parlée, en épousant les accents du texte et de la langue et en y ajoutant même d'autres qu'on ne connaissait pas. Autrement dit, il n'y a pas d'air dans Péléas. Le mot y est aussi important que la note, exigeant une diction parfaite, extrêmement difficile pour les chanteurs non francophones, mais soyons honnêtes, c'est difficile aussi pour les francophones du reste. Debussy était conscient de tenter là quelque chose de nouveau, je le cite, « J'ai, du reste, entrepris un travail peut-être au-dessus de mes forces, cela n'ayant pas de précédent, je me trouve dans l'obligation d'inventer de nouvelles formes. » Il y a aussi l'écriture musicale, bien sûr, parfois évanescente, parfois très incarnée, qui ne développe jamais les thèmes, ce qui la rend à la fois quelque peu archaïque et en même temps tellement moderne. Je cite encore Debussy, « La musique est faite pour l'inexprimable. Je voudrais qu'elle eût l'air de sortir de l'ombre et que, par instant, elle y rentra. » Voilà ce que Debussy disait de Péléas. Mais il y a aussi le livret, tiré de la pièce de Maurice Maeterlinck, et qui a sans doute désarçonné les amateurs d'opéra. Et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être me concentrer le plus aujourd'hui. Si j'ai donné pour titre à cette conférence « Les vertiges de l'inconscient », c'est parce que nous avons affaire à une action sans action, une action tout entière tournée vers l'intérieur, qui nous fait visiter les tréfonds de l'âme humaine et ses mystères insondables. Pourtant, si on la réduit à la fable, à l'anecdote, l'intrigue est pour le moins banale. Le prince Golo se perd dans la forêt, rencontre une très jeune femme nommée Mélisande qui pleure au bord d'une fontaine. Il l'épouse, la ramène au château où vivent son grand-père Arkel, roi d'Allemonde, sa mère Geneviève et son demi-frère Péléas. Péléas et Mélisande sont attirés l'un vers l'autre, Golo s'en rend compte et, rongé par la jalousie, les espionne, en n'hésitant pas à servir de son fils d'un premier lit, le petit Ignolde, comme espion. Il tue Péléas après l'avoir surpris avec Mélisande. Il blesse Mélisande, qui meurt après avoir mis au monde une petite fille. C'est réglé. À partir de cette trame, dont vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle est plutôt sommaire, eh bien, on aurait très bien pu avoir un banal drame bourgeois. Pourtant, Maeterlinck a écrit une pièce symboliste où tout est à double sens, où les personnages emportent avec eux le mystère de leur moi profond. C'est précisément ce qui a séduit Debussy,
qui aimait les choses dites à demi et préférait la suggestion. Mais attention, rien d'éthéré. Pour autant, le drame y est terrible. Pierre Boulez, par exemple, y voit un mouvement de flux et de reflux entre le réalisme le plus implacable et l'onirisme le plus impalpable. Alors, si nous tentions une exploration de ces vertiges de l'inconscient en essayant de ne pas nous perdre dans le labyrinthe, car cette œuvre en est un. D'ailleurs, elle se déroule dans un labyrinthe. C'est pourquoi je voudrais commencer mon exploration par l'espace. Après, on parlera du temps. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Ce sont les premiers mots de l'opéra, ils sont prononcés par Golo, après un bref prélude instrumental. Voilà qui place immédiatement l'opéra sous le signe de l'enfermement, et de l'enfermement définitif. Cette forêt où Péléas et Mélisande, l'opéra, commence, du reste comme Perceval de Chrétien de Troyes ou la Divine Comédie de Dante, je n'ai pas eu besoin de lire d'emblée des thèses universitaires pour avoir assez tôt la conviction qu'elles représentaient l'intérieur même de l'esprit des personnages, un peu à l'image des chambres du château de Barbe Bleue dans l'opéra de Bartok. D'ailleurs, dans une autre pièce de Maeterlinck, Ariane, Mélisande apparaît comme une des épouses de Barbe Bleue, avec toujours la question obsédante de savoir s'il faut chercher à percer les secrets de l'âme d'un être humain ou si ce que l'on risque d'y découvrir n'est pas finalement trop dangereux. Alors, s'agissant d'un théâtre symboliste, comme l'est celui de Maeterlinck, cette forêt est la traduction dans l'espace des paysages intérieurs, de l'espace mental des personnages. Or, l'espace est très structuré dans Péléas et Mélisande, et lui aussi, à tout moment, exprime l'enfermement. À vrai dire, il y a une topographie de Péléas. Prenons par exemple le royaume d'Allemonde, dont Arkel, le grand-père de Golo et Péléas, est le roi, et où Golo ramène Mélisande, après l'avoir trouvée, donc éplorée, dans la forêt, au bord d'une fontaine, puis épousée. Tout d'abord, ce domaine semble coupé du monde. Premier indice, la réplique « C'est le navire qui m'a mené ici », dit Mélisande à l'acte 1, scène 3, en voyant passer un bateau. On comprend donc qu'elle est venue en bateau depuis l'endroit où Golo l'a trouvée. À partir de là, on est tenté de se représenter Allemande comme une île, ce qui accentue encore l'impression d'un lieu coupé du monde, car on apprend que le château, en plus, est entouré de forêts, encore des forêts, obscures, profondes. Il fait sombre dans les jardins, et quelle forêt tout autour des palais, ce sont les premiers mots de Mélisande à son arrivée à Allemande. Coupé du monde dans son étendue, donc à l'horizontale, le château l'est aussi à la verticale. En hauteur, car les mêmes forêts sont tellement hautes qu'on ne voit pas le ciel, il y a des endroits où l'on ne voit jamais le soleil, annonce Geneviève à Mélisande à l'acte 1. Tu pleures de ne pas voir le ciel, lui dit Golo à l'acte 2. Péléas et Mélisande aspirent à un mouvement vers le haut qui leur permettrait d'accéder à la lumière, mais rien à faire. Je cite encore, « Ce château est très vieux et très sombre », dit Golo dans la même réplique. D'où un sentiment de claustration auquel les personnages qui vivent depuis longtemps ici, comme Geneviève, la mère de Péléas et Golo, semblent s'être résignés depuis longtemps. À la différence de Péléas et Mélisande, chez qui on sent encore une aspiration à chercher la lumière, un peu comme des poissons qui remontent à la surface pour chercher l'oxygène qui vient à manquer sous l'eau. Le château est donc coupé du monde par le haut, mais il descend aussi très profondément. Et là, le constat n'est guère plus réjouissant. Le palais est bordé et borné en haut par la cime des arbres qui empêchent la lumière de passer, en bas par des souterrains qui forment un véritable labyrinthe où règne l'humidité pourrissante des eaux stagnantes, une sorte d'emblème du statisme figé, et aussi bien sûr synonyme de maladie, de contamination, et en dernier ressort, de mort. À ce titre, une des scènes qui m'ont le plus frappé, toujours, dans Péléas et Mélisande, est la scène 2 de l'acte 3, où Golo emmène Péléas dans les souterrains avec cette fabuleuse réplique «
sentez-vous l'odeur de mort qui monte. C'est une des scènes les plus angoissantes de l'histoire de l'opéra. Golo vient de surprendre Péléas au pied de la tour, où se trouve la chambre de Mélisande, au cours d'une scène ambiguë que Golo fait mine d'interpréter comme un jeu d'enfant, mais dont il a très bien perçu la forte charge érotique. Et voilà que, sans transition, on retrouve les deux demi-frères dans un souterrain plongeant vers les eaux stagnantes du château, où il fait tellement sombre que Golo doit les éclairer d'une torche. La musique de Debussy se fait plus noire que jamais, entrelaçant violoncelle, contrebasse et basson, autrement dit les teintes les plus foncées de l'orchestre, tandis que les timbales évoquent une pulsation cardiaque qui s'affole. Péléas est de plus en plus mal à l'aise, et lorsqu'il l'invite à lui donner, non, pas la main, elle pourrait glisser, le bras, on sent très bien que Golo a ici la possibilité de tuer son frère, et on suppose que cela lui traverse fugitivement l'esprit. La scène est très courte, mais à mon avis déterminante, et surtout, elle est révélatrice de la méthode utilisée par Debussy pour adapter le texte de Maeterlinck. Car si Debussy est globalement très fidèle à la pièce, il intervient toutefois à plusieurs reprises, notamment sous la forme de coupures. C'est fréquent lorsque l'on adapte une pièce de théâtre à l'opéra, car le temps musical est beaucoup plus distendu que le temps théâtral. Et si l'on mettait tout le texte en musique, ce serait beaucoup trop long. Mais là, ce n'est pas le problème. D'autant que la prosodie debussiste, qui fait la si grande originalité de Péléas, comme je vous l'ai dit au début, se rapproche le plus possible des inflexions de la parole. C'est autre chose qui se joue ici. Dans la pièce, il existe une scène où Golo explique à Péléas qu'il y a dans les souterrains une grotte avec des marécages, qui explique sans doute les mauvaises odeurs qui parviennent jusque dans les pièces du château. Et il lui suggère de descendre pour murer la grotte. Il y a donc une explication tout à fait rationnelle, et même une proposition d'action concrète pour y remédier. Plus rien de tout cela chez Debussy, qui supprime cette réplique, si bien que dans l'opéra, on passe brutalement de la tour au souterrain, sans que rien ne vienne expliquer pourquoi Golo et Péléas se retrouvent d'un seul coup dans les sous-sols du château. Cela permet à l'auditeur de tout imaginer, cela ajoute du mystère, voire du fantastique, et donc de l'angoisse, là où Maeterlinck était finalement beaucoup plus terre-à-terre. J'en profite pour vous préciser que l'odeur de mort ne vient pas que des souterrains. Les personnages sont littéralement cernés par la mort, en hauteur aussi, puisque lorsque les occupants du château discutent, admettons, au rez-de-chaussée, eh bien, il y a non seulement les eaux stagnantes juste sous eux, mais aussi, au-dessus, le père de Péléas, gravement malade, dans la chambre de l'étage, et qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Et puis, le peu d'allusions fugitives à un hypothétique peuple d'Allemande nous le montre mourant de faim. Je vous cite là encore cette réplique, « On vient encore de trouver un paysan mort de faim le long de la mer, on dirait qu'ils tiennent tous à mourir sous nos yeux », c'est Golo qui dit cela à l'acte 4. Je pense aussi aux trois pauvres que Péléas et Mélisande aperçoivent au fond de la grotte où elle prétend avoir perdu la bague de Golo. Sont-ils endormis? Sont-ils morts? En tout cas, Mélisande est suffisamment effrayée pour vouloir aussitôt ressortir de la caverne en courant. Dans la scène des souterrains, Golo invite donc Péléas à se pencher au-dessus du gouffre pour espérer voir le fond. S'il y a une constante dans Péléas et Mélisande, c'est bien ce motif. Les personnages passent leur temps à se pencher. Dès la première scène, Mélisande est penchée au-dessus d'une fontaine, au fond de laquelle on voit briller quelque chose qui est visiblement lié au passé de Mélisande, passé qui restera à jamais secret et qu'elle garde au fond de son inconscient. Au début de l'acte 2, la même Mélisande veut pencher les mains vers la fontaine des aveugles, où elle se trouve avec Péléas, qui lui dit « Ne vous penchez pas ainsi ». C'est exactement ce que lui dira aussi Golo lorsqu'il la surprendra à l'acte 3, à la fenêtre de la tour, en train de batifoler avec Péléas, resté en bas. « Ne te penche pas ainsi à la fenêtre, tu vas tomber ». Comme si se pencher vers le fond était à la fois une aspiration irrésistible et une source de malheur. Et comme le rêve, le livret établit des parallèles entre des situations,
tout à fait différente, au risque d'incohérence. Au début, Mélisande a volontairement jeté une couronne qu'il lui a donnée, on ne saura jamais qui est ce « il », et sur laquelle elle ne voudra pas s'expliquer. À l'acte suivant, elle laisse tomber accidentellement, du moins en apparence, il n'y a pas de coïncidence pour l'inconscient. Elle laisse donc tomber la bague que Golo lui a donnée, comme si elle répétait à l'infini le même schéma en se débarrassant d'un objet lié à l'homme dont elle veut se libérer. Beaucoup de points d'interrogation, bien sûr, mais au moins une certitude. Que ce soit au-dessus d'une fontaine, par la fenêtre d'une tour, au-dessus d'un gouffre souterrain, les personnages de Péléas et Mélisande sont irrésistiblement attirés par ce qui est en bas, ce qui est au fond et qu'on ne peut saisir. C'est un peu le cas de la musique de Debussy aussi, avec ces gammes par ton qui n'ont pas de tonique identifiable, ces neuvièmes majeurs qui créent un halo acoustique au-dessus des notes et a tendance à nous échapper quand on croit la saisir. La musique est faite pour l'inexprimable. Je voudrais qu'elle eût l'air de sortir de l'ombre et que par instant elle y rentrât, je cite à nouveau Debussy, évoquant Péléas. Alors, tout ce que je viens d'évoquer concerne le rapport du royaume d'Allemonde à l'espace, qui est structuré selon une topographie horizontale et verticale qui tient de l'enfermement dans un labyrinthe. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce phénomène concerne aussi le temps. Celui du château d'Allemonde est figé. Tout y semble arrêté. « On s'y fait vite, » dit Geneviève à Mélisande quand celle-ci s'étonne de l'obscurité et de l'humidité permanente, comme si le temps était suspendu, ce que confirment ces répétitions de situations immuables que j'évoquais à l'instant. Pourtant, le temps n'est pas complètement aboli au château. Il s'écoule bel et bien, mais non pas sous le signe de la maturation ou du cycle des saisons, mais sous celui de la dégénérescence, du vieillissement prématuré. Les personnages de Péléas sont soit malades et mourants, le père de Péléas, son ami Marcellus, tous deux seulement évoqués et non présents sur scène, soit cacochyme et aveugle, ça c'est Arkel, soit vieux avant l'âge. D'après les déductions que l'on peut faire de la généalogie, Golo ne doit pas être bien vieux. Sa mère est venue vivre au château il y a presque 40 ans, c'est elle qui le dit. Son grand-père est encore en vie, et lui-même, Golo, est un chasseur robuste, à la force physique impressionnante, au point que Mélisande le prend pour un géant, ce qui le vexe d'ailleurs. « Je suis un homme comme les autres », se défend-il, une phrase sur laquelle je serai amené à revenir. Or, toutes les occasions sont bonnes pour insister sur les signes de vieillissement prématuré de Golo. « Vous avez déjà les cheveux gris », lui dit Mélisande dès leur première rencontre. Le mot important ici est évidemment « déjà ».« Votre barbe, elle devient toute grise, et vos cheveux aussi, tout gris », lui dit sans ménagement son fils, le petit Ignold, à l'acte 4. On peut imaginer que sa chute de cheval à l'acte 2 est pour lui une blessure psychologique plus encore que physique, parce qu'elle provoque un sentiment d'insécurité quant à ses capacités. Reste à essayer de savoir pourquoi la vie s'est ainsi arrêtée à Allemonde, au point que l'on s'y enfonce dans les ténèbres, la moisissure, le vieillissement, la maladie, sans retour possible. Apparemment, du moins. Il y a fort à parier que c'est lié là encore au temps, ou plutôt à un rapport faussé au temps. On vit à Allemonde dans un présent sans fin, qui n'est balisé ni par un futur possible. Péléas passe son temps à dire qu'il va partir, et tous les prétextes sont bons pour ne pas le faire, comme s'il y avait une fatalité à ce qu'il termine là sa brève existence sans jamais avoir pu se déployer et voir du pays. Le temps d'Allemonde n'est pas non plus balisé, borné par un passé connu, et c'est sans doute là que le bât blesse le plus. Ce passé, enfoui dans les souterrains du château, ce passé qui ne passe pas, comme on dit, mais que les personnages ont refoulé, eh bien, on sent à tout moment que, dès que le rideau se lève, il y a une ou plusieurs préhistoires,
je veux dire des antécédents qui ont une influence majeure sur les événements et les personnages sans que l'on puisse jamais les identifier avec certitude. Il y a eu des événements que les personnages se sont visiblement ingéniés à refouler et dont il y a tout lieu de croire qu'ils influent de manière non négligeable sur leur comportement actuel. Qui est le « il » de « c'est la couronne qu'il m'a donnée » dans la phrase de Mélisande au début de l'opéra? Un premier mari? Debussy aimait à penser qu'il s'agissait de Barbe Bleue et qu'elle s'est libérée. On évoque des guerres, une famine, un peu comme dans la tragédie grecque, mais on n'en saura rien. Pas de place chez Maeterlinck pour un cadre historique ou politique. On évoque une culpabilité. Parmi les scènes que Debussy a coupées chez Maeterlinck, il y a celle qui ouvre la pièce, où des servantes nettoient l'entrée du château et ne viennent pas à bout de taches qui ressemblent bien à des taches de sang, un peu comme dans Macbeth, vous savez, cette tache que tous les parfums d'Arabie ne parviennent pas à effacer. Le sang, d'ailleurs, est très présent dans Pelléas. Dès le début, Golo, perdu dans la forêt, suit les traces de sang d'une bête qu'il croyait avoir blessée à mort. Golo est un prédateur à sa manière. C'est une préfiguration de la blessure qu'il infligera à Pelléas puis à Mélisande. Dans chaque scène où Golo s'en prend à Mélisande, le sang est là. Il y a une tache de sang sur son oreiller quand il est tombé de cheval à l'acte 2, avant de se mettre en colère contre elle parce qu'elle n'a plus la bague. Il a du sang sur le front lorsqu'il a traversé une haie d'épines à l'acte 4, avant de la violenter en lui tirant les cheveux. Je vous rappelle que Golo est veuf et élève seul le petit Ignold. Qu'est-il advenu à sa première femme? Arkel nous dit juste qu'elle est morte. Nous n'en saurons pas plus, à moins que vous ayez des indices qui m'ont échappé. C'est toujours possible hein, dans Pelléas. Alors, c'est très tentant d'essayer d'enquêter un peu, même si cela ne donne pas grand-chose. On peut au moins formuler des hypothèses sur cette configuration familiale tout à fait inhabituelle et un peu labyrinthique elle aussi. J'ai le souvenir d'une émission d'Alain Paris sur France Musique autrefois, qui s'appelait « Papier à musique ». Il en avait consacré une à Pelléas, où il avait invité Gérard Condé, compositeur, musicologue, excellent connaisseur de la musique française en général, et de Pelléas en particulier d'ailleurs, dont il a rédigé l'analyse pour la revue « L'avant-scène opéra ». L'invité idéal donc. C'était en direct, pas de montage possible. À un moment, venant tout naturellement dans la conversation, l'intervieweur demande « Alors, Gérard Condé, qui est Geneviève ?» Et là, à ma grande surprise d'auditeur, j'ai entendu ce cher Gérard Condé se mettre à balbutier et à perdre complètement ses moyens. « Ah oui, bah Geneviève, parce que Geneviève, oui, c'est la mère. » Attendez, parce qu'en fait, c'est la mère de Pelléas, mais c'est... Et puis, d'un seul coup, on n'a plus rien compris. J'étais un peu triste pour lui, mais loin de lui jeter la pierre, je me suis dit que si j'avais été à sa place, j'aurais été moi-même bien ennuyé. Et du coup, j'ai commencé à enquêter à mon tour. Alors oui, qui est Geneviève? Elle est la mère de Golo et de Pelléas, mais on apprend dans la lettre de Golo, lue par Geneviève, qu'ils ne sont pas nés du même père. Le père de Golo est visiblement mort, celui de Pelléas ne va pas très bien, il est présent en creux, hein, je vous rappelle qu'il est malade là-haut dans la chambre du dessus, on l'annoncera d'ailleurs guéri à l'acte 4 sans le voir pour autant. Geneviève a donc eu deux maris successifs. Continuons notre investigation. Est-elle la fille d'Arkel? Peu probable. Dans la seule réplique où elle parle d'elle, puisque d'ordinaire elle se fait uniquement le porte-parole des autres, elle évoque son arrivée au château il y a presque 40 ans. Elle n'y est donc pas née, ce qui rend beaucoup plus probable qu'elle soit arrivée là pour se marier et qu'elle est donc la belle-fille d'Arkel. Arkel étant le grand-père de Golo et de Pelléas. Bigre! Comment interpréter cela? Vous comprenez maintenant pourquoi l'ami Gérard Condé s'est pris les pieds dans le tapis à la question de France Musique, sans s'y être préparé avant. Pourtant, si on prend le temps de réfléchir tranquillement, ce qu'on n'a pas le temps de faire en direct à la radio, et au besoin de faire un tableau, ben, on ne voit guère qu'une possibilité. Arkel avait deux fils, et Geneviève a épousé successivement l'un et l'autre. Voilà qui jette tout de même un éclairage singulier sur cette constellation.
il y a 40 ans, une femme a épousé un homme, puis le frère de celui-ci, et elle a eu un enfant avec chacun des deux. Vous me voyez venir, 40 ans avant Golo et Péléas, deux frères ont aimé la même femme. Comment est mort le père de Golo? Tué par son frère, comme le sera Péléas à son tour? Pourquoi le père de Péléas, qui serait donc peut-être l'assassin de son frère, revit-il au moment précis où son fils se dirige de manière certaine vers la mort? Est-on condamné à reproduire indéfiniment les mêmes schémas, à devenir bourreau après avoir été victime? Il y a quelque chose de shakespearien dans cette malédiction. On a souvent dit que l'ombre de Hamlet plane sur Péléas. Ce ne peut être un hasard si l'ami mourant dont Péléas a reçu une lettre s'appelle Marcellus, comme l'ami d'Horatio dans Hamlet. Vous l'aurez donc compris, il y a des trous dans le récit, comme il y en a dans tout récit mythique, mais aussi dans l'inconscient. Et les deux, le mythe et l'inconscient, ont pour point commun de sauter du coq à l'âne, de ne pas trop se soucier de chronologie, de jeter constamment des ponts inattendus à l'intérieur du temps. Cela se traduit dans le livret de Péléas et Mélisande par plusieurs signes distinctifs. D'abord, par les interventions de Debussy sur la pièce. Je vous en ai déjà dit un mot. Elles vont souvent dans le sens de l'ellipse. Je veux dire par là de l'omission d'éléments qui deviennent des chaînons manquants dans les chaînes de causalité. Je vous ai déjà donné des exemples, il y en aurait d'autres. Je pense à la scène des servantes au début de l'acte 5. Elle discute des événements récents, raconte que Golo est rentré avec du sang sur son épée, encore le sang, que Péléas a été retrouvé mort dans la fontaine des aveugles, et que Mélisande a donné naissance à une petite fille. Tout cela, dans l'opéra, il faudra le deviner. Maeterlinck est déjà volontiers allusif, Debussy va encore plus loin dans le refus de mettre les points sur les i. Ce que j'ai appelé ellipse, vous le trouvez abondamment aussi dans le dialogue, qui nous plonge lui aussi dans les vertiges de l'inconscient en déjouant constamment la suite logique et chronologique des répliques. Il y a par exemple des répliques qui trouvent leur réponse plusieurs scènes plus tard. « Pourquoi pleures-tu ? » demande Golo à Mélisande dans la première scène. Un acte et deux scènes plus tard, il dit « C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. » Cela, c'est le décalage dans le temps. Mais il y a un autre type de décalage, très fréquent dans les dialogues de Péléas et Mélisande. C'est quand un personnage répond à côté, révélant un verrouillage psychologique qui peut être une stratégie de défense. Mélisande le fait très souvent. Golo lui demande « Quel âge avez-vous ? » Elle répond « Je commence à avoir froid. » Je ne suis pas spécialiste, mais cette technique d'évitement est révélatrice d'un inconscient qui travaille à la fois à se voiler et à se dévoiler, si tant est qu'on puisse l'interpréter. Et c'est là, à l'opéra, que le metteur en scène a un rôle très important à jouer. Par ses ambiguïtés même, Péléas et Mélisande lui offrent en effet une grande marge d'interprétation. On s'en rend compte par exemple en regardant la scène de la tour où Mélisande déploie ses cheveux dans quatre productions différentes. Si j'avais été avec vous, évidemment, sur scène avec un écran, je vous les aurais montrés, mais là je vais essayer de vous les décrire. Au Châtelet, Peter Stein optait pour un réalisme poétique prenant à la lettre les indications, avec la chevelure de Mélisande qui tombe réellement par la fenêtre et se prend dans les buissons. À l'Opéra de Lyon, Pierre Strosser faisait de Péléas un drame bourgeois dans un salon 19e où l'on porte habits, haut de forme, robe longue, et où les situations existent dans l'imaginaire des personnages, donc sans tour, mais avec cheveux. À l'Opéra Bastille, Bob Wilson créait un monde abstrait, stylisé, sans décor, avec une gestuelle très chorégraphiée, où Mélisande n'a pas de cheveux longs, mais ceux-ci sont remplacés par le drapé de sa robe et les gestes de son partenaire, tout étant suggéré par les éclairages et les couleurs. Et dans la mise en scène de Herbert Wernicke à la Monnaie de Bruxelles, Mélisande avait bel et bien des cheveux, mais au lieu de les dénouer, elle les coupait avec des ciseaux et les faisait tomber par touffes en direction de Péléas.
Mais il en existe bien d'autres. Peter Sellars à Amsterdam, situé Pelléas dans une chambre d'hôpital. Stéphane Braunschweig à l'Opéra Comique au bord d'un puits de lumière. Éric Ruff au Théâtre des Champs-Élysées au fond d'une cale de bateau ou de port, sombre et suintante. Emmanuel Bastet à Nantes dans une inquiétante maison hitchcockienne où tout le monde s'espionne. Katie Mitchell à Aix-en-Provence faisait de Mélisande une projection du fantasme des hommes, alors que Pierre Médecin à l'Opéra Comique transformait l'action en flashback, montrant Golo sur un fauteuil, les pieds dans l'eau, enfermé par de lourdes portes et se remémorant ce qui lui est arrivé. Ou pas, car rien n'exclut non plus chez Pierre Médecin que tout cela soit purement imaginaire et le fruit de son esprit. Pierre Médecin décrit Pelléas comme le drame d'un homme nommé Golo et le metteur en scène se réclamait explicitement de la psychanalyse. Celui qui est allé le plus loin dans l'option freudienne, c'est, vous ne serez pas surpris, Dmitri Tcherniakov, à Zurich. Mélisande y est une jeune fille quasi autiste, ramenée et recueillie par son psychanalyste, qui mène ses thérapies dans sa maison, maison qu'il partage avec une famille d'intellectuels bourgeois, visiblement hantés par leurs secrets. Golo, le psychanalyste, tombe amoureux de sa patiente en un contre-transfert qui ne peut déboucher que sur une catastrophe. Tcherniakov considère, il le dit dans l'interview qui accompagne le DVD, que l'arc narratif de l'œuvre réside dans le désir des personnages de découvrir qui est Mélisande. Et lui-même dit s'être posé, en travaillant, beaucoup de questions sur ce qu'elle avait bien pu vivre de terrible et qu'elle garde ainsi refoulé. La guerre, l'exil, une catastrophe naturelle, il n'excluait rien. Christophe Honoré à Lyon est sans doute celui qui est allé le plus loin. Dans sa production de 2015, le château d'Allemande est une vieille usine rongée par l'humidité, dont le directeur Golo roule en Jaguar, une voiture dans laquelle il ramène Mélisande en talons hauts et fourrure, une Mélisande qui fait constamment penser à Loulou, autre femme fatale indéchiffrable et qui cause la perte des hommes en étant convoitée par eux. Comme si elle n'y était pour rien. Le petit Ignold est un adolescent rongé par le mal de vivre face à un monde d'adultes en perdition. Voilà une famille qui traîne de bien sinistres turpitudes et une sexualité morbide. Lorsque Pelléas évoque son ami Marcellus, on comprend qu'il s'agit de son amant. La scène des souterrains se déroule dans la voiture où Golo oblige son frère à des ébats avec une prostituée. Tiens, voilà un point commun avec Tcherniakov, chez qui Golo se livre à des attouchements intimes sur le corps de Mélisande devant Pelléas quand il évoque les eaux stagnantes. Pour Tcherniakov comme pour Honoré, la dimension sexuelle des grottes humides ne fait aucun doute. Honoré a aussi l'idée de faire changer Mélisande de perruque au gré des situations, illustrant le rôle central de la chevelure, tout en soulignant les ambiguïtés du personnage et aussi le fait que, comme Loulou, elle est une projection du désir des hommes. D'ailleurs, il est tentant de suggérer ou d'imaginer qu'elle a pu, je vous parlais tout à l'heure de guerre, de catastrophe naturelle, bien qu'elle a pu tout simplement être victime d'abus sexuels dans son enfance. Car il est temps que je vous dise quand même quelques mots des personnages et de leur zone d'ombre. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Elle doit avoir eu une grande épouvante, explique Golo dans sa lettre à son frère. Eh bien, le spectateur est dans la même situation, il ne sait rien. C'est, vous l'aurez compris, Mélisande qui attise le plus la curiosité, parce qu'elle n'a pas de passé, ou plutôt qu'on ne le connaît pas. Les secrets qu'elle cache la différencient de Pelléas, qui est beaucoup plus transparent. À vrai dire, Mélisande est mal définie. Au début, Golo la prend pour une enfant, avant de l'avoir vue de près. Ce côté femme-enfant rend son mystère encore plus insondable et contribue à la rendre tout à la fois innocente et coupable, cultivant une complexité et une ambivalence avec lesquelles notre époque a bien du mal, puisqu'il faudrait aujourd'hui que tout soit noir ou blanc, bon ou mauvais. Elle semble agir parfois en toute innocence, comme si elle n'était pas réellement maîtresse de ce qu'elle dit et fait.
un exemple de réplique absolument fascinante de Maeterlinck reprise par Debussy. « Oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner ?» C'est ce qu'elle dit à Golo à la fin. Et encore, « Je ne sais pas ce que je dis. » Certes, admettons, mais elle est aussi manipulatrice. Elle est prise régulièrement en flagrant délit de mensonge, et des mensonges que le spectateur peut vérifier par lui-même. Quand elle raconte, par exemple, à Pelléas, que Golo a essayé de l'embrasser de force lorsqu'il l'a trouvé dans la forêt, eh bien, nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Nous y avons assisté à cette scène. Il y a même une forme de cynisme qui va jusqu'à effrayer Pelléas, lui-même, lorsqu'elle lui dit « Je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère ». Le désir des hommes augmente à mesure qu'elle se dérobe. Elle retire sa main chaque fois que Pelléas veut la prendre. Mais c'est peut-être aussi pour le préserver, puisqu'elle dit elle-même « On dirait que mes mains sont malades ». Du coup, l'emblème de sa sensualité se cristallise dans sa chevelure, qui est d'ailleurs, si on y réfléchit bien, la première chose que voit Golo, puisqu'il la découvre d'abord de dos. La chevelure, que Baudelaire déjà avait mise en poème comme étant le pouvoir érotique le plus enivrant de la femme, et en même temps une invitation à passer du stade charnel à une quête spirituelle. C'est en s'en mêlant dans la chevelure de Mélisande que Pelléas a avec elle l'union la plus charnelle de l'opéra. Et lorsque Golo veut châtier Mélisande pour ce qu'il estime être sa double nature maléfique, ce n'est évidemment pas par hasard, si c'est par les cheveux qu'il la traîne à travers la pièce, à droite et puis à gauche et puis à droite, en criant « Absalom ». Autrement dit, le fils aîné du roi David, qui a voulu chasser son père du trône et dont les cheveux se sont pris dans les branches d'un arbre pendant le combat, le laissant à la merci des coups d'épée d'un général hébreu qui le transperce. Bref, Mélisande nous échappe. Son personnage n'évolue pas au cours de la pièce, elle reste indéchiffrable et comme passive. Comme le dit très bien Christian Akaoui, tout arrive par elle, rien n'arrive à cause d'elle. Et c'est cela qui à la fois donnait du mal à Debussy pendant la conception de son opéra et l'attirait, et même le fascinait. Dans une lettre à Ernest Chausson, Debussy parle de ce rien dont est faite Mélisande. Mais n'allez pas croire que les autres personnages aient beaucoup plus d'épaisseur. Pelléas prend très peu d'initiative. « Il fera tout ce que tu lui demandes », dit de lui Golo à Mélisande, en ajoutant « Il est un peu étrange ». On peut le faire changer d'avis comme rien du tout, il est tellement velléitaire qu'il passe tout l'opéra à dire qu'il va partir sans jamais s'exécuter. Mais là, voyez, il suffit que, par exemple, son grand-père Arkel lui dise « Non, non, je préfère que tu restes, t'occuper de ton père plutôt que d'aller voir ton ami qui est de toute façon mourant ». Ça y est, du coup, il reste. Geneviève, dans la seule scène où elle soit mise en valeur, elle prononce les mots d'un autre, puisqu'il s'agit de la lecture de la lettre de Golo à Pelléas. Arkel, on le décrit parfois comme un homme bon et sage, un visionnaire comme le sont les aveugles du théâtre antique. Pardonnez-moi de détruire vos illusions si vous avez toujours beaucoup aimé Arkel, mais il faut bien se rendre à l'évidence. C'est un vieux gâteux qui est constamment à côté de la plaque, qui ne comprend rien à rien, n'empêche aucune catastrophe, et les accélère même, puisque c'est lui qui a envoyé Golo là où il a trouvé Mélisande, lui aussi qui a incité Pelléas à rester, ce qui hâte sa perte. Finalement, le seul personnage à avoir des contours humains est bel et bien Golo, ce qu'il confirme lui-même dès sa première rencontre avec Mélisande, avec la fameuse réplique « Je suis un homme comme les autres » quand elle le prend pour un géant. Lui ne ment pas, il est au premier degré, et lui aussi est aveugle, mais au sens figuré. « Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan », dit-il à l'acte 3, et à l'acte 5, « Je vais mourir ici comme un aveugle ». Même lorsqu'il est violent, y compris avec le petit Ignolde, vous aurez remarqué que tous les lapsus que j'ai pu faire pendant cet enregistrement sont forcément à mettre en relation avec mon thème du jour, les vertiges de l'inconscient. Même lorsqu'il est violent, donc, y compris avec le petit Ignolde, au cours d'une des scènes les plus cruelles que je connaisse, c'est à la fois
parce que c'est sa nature de chasseur, de guerrier, mais surtout par déchirement, quand la rationalité est désarmée face au non-dit des autres, car Golo n'est jamais dans le non-dit. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais des arrière-pensées, pourquoi ne les dirais-je pas? Mais est-il aussi transparent que cela? Est-ce seulement la jalousie qu'il fait agir? Puisque les choses semblent se reproduire à l'infini, si sa mère a épousé le frère de son père, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il a été lui-même dans la situation d'Ignold 40 ans avant, témoin de l'adultère? C'est dans ces interstices de l'inconscient, ces failles de l'inexprimé, que réside le vertige de Péléas et Mélisande, qui nous laisse finalement sur un vaste point d'interrogation. Ne serait-ce que la toute dernière réplique dite par Arkel, faisant allusion au bébé mis au monde par Mélisande, « C'est au tour de la pauvre petite ». Mais autour de quoi, au juste? Merci de votre attention, chers amis, et portez-vous bien.